Yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode donc, de Total War, et cette fois on joue Massilia. Donc les Massiliens, Marseille, hein, voilà. Et on... oh, l'ironie. Et on venait de capturer... comment c'est déjà? Tolosa. Voilà. On venait de capturer Tolosa. Même pouvoir monter une deuxième armée. Théodotos, allez Théodotos. Il se fait vieux Théodotos hein, quand même. Je vais voir si je peux pas en recruter un autre. Ah bah lui par exemple. Lui. Je vais lever une armée avec lui. Sinon, forcément. À moins que l'Ancien. Ouais, c'est bien d'avoir des cavaleries. Et on va voir si je peux embaucher. Conseil des 600. Voilà, on va recruter. Et on adoptera deux d'autorité. Ah. Il en a au moins, ça commence mal, les gars. Attends, elle va pas. Ouais, mais non, elle n'est pas héritière de faction, elle pourra pas adopter. C'est pas grave. On les marie, enfin on les up déjà. On va pouvoir les marier. Voilà. Et on peut passer ce tour. On recrutera Massilia prochainement. Voilà pour la défense de Tolosa principalement. Tu as plus de commerce avec eux, faction détruite. Non, c'est pas eux. Ardaï, Sparte, c'est pas étonnant. Et c'est parti pour Octodurus. Hop, lui. Wow. Ah ouais, super ça. Oh, putain, il se bloque quoi. Mais non, sérieux. Manoré des dieux. Aïe aïe. On a rien vu les gars, on fait comme si on avait rien vu. Allez, direction Octodurus chez les Helvètes. On augmente nos revenus de commerce, bien évidemment, Massilia. Hein. Voilà, on est arrivé à Pella. Voir si on peut commercer avec les Macédoniens. Ils sont helléniques, mais bon. C'est pas très grave. Beau parleur, allez, comme ça, ça nous fera une bonne faction. On fera plein de gens. Bon, alors, on refait un point sur le commerce. Purée, j'ai de l'olive. De l'huile, je crois. C'est pas vrai. Non. Vos termes sont raisonnables. Non. Vos termes sont raisonnables lorsque... Bon, et toi? Oh, mais comme toujours... C'est pas vrai, mais faites du commerce avec moi, mon dieu. Mais elle est bonne, mon huile purée. Ah, yeah. Ils veulent pas de mon huile, Sniff. Mais les camps de Périècle. Au cas où. Ah, c'est peut-être mieux ça. 1% de richesse grâce aux bâtiments commerciaux, là, ça va être pas mal. Hein. Mais c'est quoi, je change. Je mets ça. Ah zut. J'ai oublié l'espion, c'est pas grave. Ah, Bibracte est tombé aux mains des Arvernes. Des Arvernes. Ça me va. Ça me va. Voilà, toi vol de la nourriture s'il te plaît. En plus ça m'évitera de passer là-bas parce que c'était un peu chiant. Basileus, je vais faire commandant parce qu'il lui faut, c'est un peu embêtant mais non. Il me faut pour pouvoir adopter en fait. Ouais c'est triste, je sais. Ouais. Dans le même cas que vous les gars, hein. Je trouve ça triste. Voilà,
Ouais, je suis vraiment du monde. Hein. Hop. Voilà. Tac, tac. Est-ce que je recrute un peu? Je pense qu'une unité de hoplite, c'est pas trop. C'est pas trop demandé. Ni comme il y a. C'est le cid. Ils sont déjà là les Séleucides, la vache. Vous nous craignez, c'est donc... D'accord. Bon. Bah écoutez, ça me va. Ah putain, pardon. Mince, je perds un accord commercial à cause... Bah, du fait que... Pergamon soit tombé au moins des Séleucides, c'est pas très très cool, mais c'est comme ça. Est-ce que là ils perdent de... Oui, ils perdent des troupes. Ensuite, qu'est-ce que ça me donne de beau ça, en entraînement. Les tactiques de siège, elles sont bien. Ça évitera des pertes un peu bêtes. Ok, ici les insurgents ont pris le dessus. Venez, mon ami. Ils pas faire de commerce, ils veulent pas, pas de voiture, ils veulent pas non plus. Ça sent pas bon ça. Comment je m'entends avec mes voisins ici? Pas bien. Aïe aïe aïe. Et eux, ils veulent toujours pas commercer. Hein. Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Bah, t'es impatient que dalle. Je vous... Puisque je pars en marier un pas trop cher. 500, c'est bon. Bien évidemment. On lui donne un rang supplémentaire. Détruite, royaume de Tilis. Très bien. Hop, on s'avance juste ce qu'il faut pour faire une position fortifiée. Vous voyez là les gars, c'est ce que je disais. Là, ça c'est pas bon du tout. On sait ce qu'ils cherchent. Hein. Allez, on fait ça. Ça nous rapportera la nourriture qu'il nous faut. Est-ce que je suis en alliance avec quelqu'un? Je suis vraiment en alliance avec personne. Toutes nos salutations. Parlez, vous avez mon attention. Voilà. Loué soit Jupiter. Vos propositions ont... Zut. Je suis honoré d'accueillir l'ambassadeur. Bon déjà, on a réussi à rouvrir un peu de commerce donc avec Rome. Ce qui, si jamais les Insurgents m'attaquent, pourrait un peu les dissuader. Enfin, ça pourrait les dissuader de m'attaquer en fait. Les Insurgents. Déjà. Les... en bon terme avec, avec mon voisin. On a de partout. Éviter de faire des bêtises. Hop. Ici, ici. Cavalerie de tirailleurs, c'est pas intéressant. Après la garnison, j'étais tout allé au Pholos, mais. C'est pas non plus. Ceci étant, c'est que. Ça me consommera de la nourriture, quoi. En faisant ça, déjà, je vais en perdre. Et en allant là, je devrais en gagner. Allez, on encercle. On encercle et on va voir ce que ça donne. Allez, je vais
quand même recruter à Massilia, on sait jamais. Mercenaire, dépôt de céréales. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Je serai sûr que niveau nourriture, je réponds. Allez, on adopte maintenant. Ouais. J'ai 2 d'autorité de plus. Je suis à 5. Il est à 3, c'est quoi ça? Recrutons quelques hoplites. Quelques hoplites, pardon. Ici, ça donne quoi? À l'assaut de la colonie. Ça donne qu'il n'y a plus personne. Résolution agressive. Bon, un petit pillage, hein, voilà. Ouais, un petit pillage, c'est bien. On va faire une colonie fermière. Emploi bétail et on fera terre consacrée. Voilà, comme ça j'aurai tout ce qu'il faut en nourriture. Ça devrait calmer les insurbes aussi. Savoir que bah, du coup on a maintenant. C'est un peu entouré. Enfin. Il pourrait subir une attaque du nord et de l'ouest au cas où ils viennent m'embêter. Fédération celte. Hein? Elles sortent d'où les confédérations celtes? Bon. En attendant, écoute. Eux. Ils sont pas contents. Ah! On va pas recruter. Comment ça j'ai plus assez d'argent? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Mince. Je me souviens plus ce que j'ai fait avec mon argent. C'est une bonne question ma foi. Bon bah on attend le tour prochain. Hein. Pas le choix. C'est moi, j'ai totalement oublié ma flotte là. Ah ouais, ouais c'est ça. Athènes, ah bah purée. J'aurai de quoi, je pense, au niveau de l'autorité, de quoi recruter mes autres adopter, je veux dire, les autres. Quoi. Peut-être pas assez d'argent pour lui. Voilà. Eux, ils souffrent de la peste, c'est parfait. Hop. Et pareil, ici des terres consacrées, comme ça on sera vraiment bien. Pourquoi le lui qui est si bas que ça? Instabilité provinciale, là, ok. Et bah je vais aller sur Vesontio. Écoute. Ils sont pas contents, ils sont pas contents. Eux par contre, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils commencent à m'énerver. Pas ce qu'ils foutent chez moi. Confédération de Celtes. Ah mais d'accord, ils sont là eux. Ouais.
Ah bah écoute, je sais pas s'ils veulent. Allez. Allons-y, let's go. C'est parti, le Basileus. Comme ça. Une petite embuscade, c'est bien. Ouais, les embuscades, c'est sympa. Sympathique. Et je vais recruter une unité. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Voilà qui devrait le faire l'affaire. Voilà, comme ça on maintient le moral un peu partout. Et au cas où ça part en rébellion, j'aurai quelques unités. Parfait l'embuscade, ça marche très très bien. Allez, mode équilibré. On relâche parce que ça apporte beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis toujours chez moi ou... Oui, je suis toujours chez moi. Qu'est-ce que je fais si je suis toujours chez moi? Je me mets là. Et je me mets en état fortifié. Allez. Hop, moins de pertes d'usure pour les sièges établis. Ça, c'est parfait. De ce côté-là, une unité de chaque. On continue à perdre de l'argent, c'est parfait. Hôtel de Poséidon. Plus de revenus au commerce maritime. De la bouffe. C'est quoi? C'est culte des fèzes. Oh la vache, les impôts. Ah d'accord. Il y a un séisme ou... Je sais pas. Un grand incendie, super. Purée. Et les fous qui ont foutu le feu, moi je te le dis mon gars. Ah, de autorité de plus que le zèle de la cible. Ah, ah oui, oui, oui. Falloir un paquet là. Il va falloir un paquet. 7 d'autorité, allez. Voilà, on s'est mis en fortifié, hein, comme ça, au cas où on se fasse attaquer. Ils gagneront pas. Après, on a un mur de hoplites, on a un peu de cavalerie. La fronde. Tout ce qu'il faut pour gagner. Ici. Rébellion imminente. C'est à Octodurus, c'est pas un problème, voilà. On a ce qu'il faut. Petit pillage. Un petit pillage, les gars. Un gros pillage. Oh la vache. Et puis, bah, même principe, hein. Bah si tu vas... Voilà, tu vas leur voler des technos. Alors, les politiciens et le public se sont tous épris d'un jeune orateur fort éloquent. Il fait preuve d'une ambition certaine et gagne progressivement les faveurs de la foule. Même s'il ne vous fait... Pardon, même s'il ne vous a pas encore calomnié, il n'a pas non plus approuvé vos entreprises. Ah, tiens, il fait quelque chose, tu vois. Hop, voilà, je peux adopter le dernier. Carros, Charros, Charros. Parfait. Toi. Ah mince, je l'avais mis à voler. Je sais plus. Ici, ça recrutera ce qu'il faut. Port de commerce, parfait. Et four à renfort prochain ou tour encore d'après.
quitter la cité, là je me suis fait un peu d'argent. J'ai pas forcément envie de la garder. Hein. Voilà, ils sont révoltés. Ah oh, purée, ils ont chopé la peste en plus. Eux. La résolution automatique, mode défensif, c'est là où il y a le moins de pertes. Ils ont la peste, éviter d'en avoir trop. Voilà. Et toi, je veux que tu sois défensif à fond. De ce côté-là, on descend. On quitte les Antios, ça ne sert pas à grand-chose. Il a une armée rebelle chez lui, purée. Ouais, c'est parfait, ça. Pourquoi puis-je vous aider ? Hop, et les fours en fort. Pas besoin de plus. Constitution 3 tours, c'est parfait. Ok, donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura fait tomber les Helvètes. On aura pris les Antios, mais j'ai pas spécialement envie de garder, hein, honnêtement. Donc je vais très certainement le laisser aux mains des rebelles ou n'importe qui d'autre. On aura réussi à faire du commerce avec Rome. Que eux. Je sais pas, ils sont très réticents à l'idée de faire du commerce avec moi. Ah bah j'ai envie. Nous les Grecs sommes réalistes et nous acceptons cet accord. D'ailleurs, je vais essayer. Puis Hermès nous inspirait de belles paroles afin que nous arrivions à bien négocier. Ils ont repris la ville, c'est bien. Mon peuple y trouvera beaucoup de joie. J'accepte. Je ferai un sacrifice. Suève. Salutations. Parlez donc. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là, on aura réussi à faire un peu plus de commerce, hein, plus que prévu. Donc j'espère à tous que ça vous a suivi. Oula, non. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao.